veux que la barrière tienne, ça sera mieux que tu plantes le pick-up plus creux. Laisse-le donc faire, père. C'est pas le premier pick-up clôture que Miville plante dans la terre. Mais m'est avis que quand on fait quelque chose, parce que ça en va à peine. Puis ça en va à peine, aussi bien le faire comme il faut. On dirait que tu passes tes journées à le guetter, comme si t'attendais qu'il fasse un mauvais pas pour lui mettre le nez. Ne le guette pas, m'assure seulement que les choses doivent être faites comme elles doivent être faites. Quand tu passes ta journée assis là-dedans, si tu veux faire d'autre que regarder. Si tu voulais, on pourrait peut-être s'arranger pour que t'ailles plus loin que de ta chambre à galerie. Même à l'écurie, tu veux même pas y aller. Pourquoi j'irais? Un cheval, ça se soigne pas en fauteuil roulant. Bon, tu trouves qu'il s'en occupe. C'est bien correct de même. Tu dois t'ennuyer, là. L'ennui, c'est moins pire que 20 ans de prison. Pourquoi tu restes pas encore un peu? Parce que je rentre dans la maison, c'est tout. Veux-tu que je te prépare une tisane? Je n'ai pas soif. Ça se voit tout de suite que t'es pas bien depuis que t'es revenu de l'hôpital. Si tu le vois, c'est que t'as des meilleurs yeux que les miens. Moi, je m'entends bien que ce qui arrive. Tu devrais essayer d'en faire autant de ton bord. Quand j'aurai besoin de toi, je te ferai signe. On dirait que tout ce que tu voudrais, c'est de mourir. Quand t'en fais de son temps, il reste plus rien que passer par là. C'est normal. Ça fait 4 mois que t'es de même, père. Mais là, c'est le printemps. Tu penses pas que tu pourrais profiter des bons moments qui passent? Ça va bien entre Miville et Nathalie? Bien sûr que ça va bien entre Miville et Nathalie. Mais que ça aille bien entre eux autres, je vois pas ce que ça devrait changer pour moi. Tu t'ennuies peut-être de Junior? Depuis le temps que Junior parle de s'en aller à Montréal, c'est pas moi qui va se plaindre du fait qu'il soit rendu là. Toi, tu pourrais peut-être t'en plaindre, mais pas moi. Si j'ai décidé de rester... Tu t'as décidé de rester, je le sais que c'est à cause de moi. Et t'as pas de raison de le faire. Je suis capable de m'organiser tout seul. Demain, promets-moi que tu vas venir à l'écurie. On verra demain. Mais là, j'aimerais mieux rester tout seul. Si ça te fait rien, bien sûr. Même si ça me faisait quelque chose. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Question de marché, ce qui a été décidé reste décidé. Puis toi, il me donnait tant de misère l'an passé. Ce serait le temps que tu m'en fasses pour la peine. C'est pas moi qui vais se plaindre quand tu vas lâcher. Ça, t'as pas besoin d'avoir peur. Avoir fait une récolte, il n'y a pas à dire, c'est toute une récolte. Comment ça se fait que Gabriel pas avec toi? Ah, il y a bien d'autres chats à fouetter, c'est assez. Ouais. De toute façon, je suis un vrai homme cheval à cette heure. Je suis capable de remplacer. Ah, ouais. T'es sûr de ça? T'avais pas l'air à courir bien fort tantôt. Regardez bien, vous allez voir. Ouais. Mon oncle est un successeur, pas de doute. Nous autres, quand est-ce qu'on va avoir des nouvelles? Depuis cet hiver qu'on attend. Ça, je sais, je vais voir le médecin ce soir. Ça pouvait être vrai cette fois-ci. Je sais pas ce que je donnerais pour être certain que t'es enceinte. C'est pas moi qui décide de ça, mes vieilles. C'est bien. Moi, je pense que le père pourrait partir subitement. Si l'enfant est pas déjà au moins là dans ton ventre. Attendons ce soir, tu veux? Pourvu que cette fois-ci, ça soit la bonne, Gumbitch. Savoir que t'attends un enfant.
Puis savoir qu'après-midi, il va y avoir des petits veaux qui vont courir dans l'enclos devant la grange. Ça serait plaisant, gun bitch! Tu trouves pas? Bon, je le souhaite autant que toi. Oui, rien qu'à y penser, je suis assez excité là, que j'y penserais là, tout le reste de la journée. Mais si tu me fais lire la clôture, on est mieux de continuer. Tant qu'à ça. T'as bien raison. Allons-y. Tu comprends? Ça me tentait pas un matin de rester dans le deuxième rang pour voir ça. Mais Ville se préparant à mettre des clôtures partout pour sauver ses veaux. Mm. C'est comme rien. Ils avaient dû pas prendre ça du revers de sa petite cuillère. Je le comprends. Mais si ça arrive de même, c'est quand même Xavier qui l'a voulu. Quand il s'est donné à Méville, il devait bien savoir que tôt ou tard, les clôtures viendraient, puis les bêtes à viande et tout. Mais c'est pas tout de savoir. Ça dépend de comment est-ce que les choses se passent. En installant une clôture en plein sur le devant de la maison, là où ce que Xavier est toujours assis dans son fauteuil roulant, c'est pas à discrétion qu'il étouffe Méville. Il aurait pu, pour commencer, se contenter de l'enclos devant la grange. Peut-être. Mais toi et moi, on n'y peut rien. Ce serait mieux qu'on revienne à nos moutons, c'est-à-dire l'hôtel. Faudrait bien que Tibob, toi et moi, on se mette d'accord sur la waitress qu'il faut honorer. Je t'ai dit qu'on y en parlerait aujourd'hui. On va le faire. Tu vas peut-être essayer de manger, là? Moi, aller le chercher. Comme ça, il n'y a pas de problème? J'ai toutes les idées. Même si t'écris en pâte de moule comme un pharmacien, tu m'as assez rabattu les oreilles avec ce que tu veux pour que je m'en souvienne. Ah, t'es sûr, là? Ça serait peut-être mieux qu'on revise tout ça ensemble. Ah, c'est pas la peine. Ah ouais, mais j'ai besoin de tout mon stock avant midi sans faute. Hein? Faut que tu me livres ça avant le dîner. Il va bien falloir parce qu'après midi, j'ai du transport à faire pour mes villes. À quoi donc? Des veaux que je dois aller chercher pour lui à Rimouski. Ah, bien parfaitement. Salut, là. Salut. Vous voyez, quand on me donne carte blanche, ça traîne pas. On va pouvoir rentrer dans la nouvelle salle à manger dans pas grand temps. Comme prévu, là, quand les étudiants de l'Université Western vont arriver. Vous êtes pas content de moi? On est bien content de toi, moi, Tibob, mais on est pas obligé de te féliciter à tous les minutes. C'est pas pour ça que Maggie nous a demandé à nous autres d'être tutoires pendant le temps qu'elle va être partie. Elle aurait pu me faire confiance, my. C'est pas parce qu'elle voyage en Irlande pis qu'elle sait pas quand est-ce qu'elle va revenir que moi, je suis pas capable de m'arranger tout seul avec l'hôtel. Mais c'est pas ça que Maggie a décidé. Elle demande par papier passer devant le notaire, conforme une manière de triomphe, verra, pour prendre toutes les décisions par rapport à l'hôtel. Ouais, peut-être. Mais c'est quand même moi qui devrais choisir la nouvelle barmaid qu'on va engager. Pis après tout, c'est moi qui va travailler avec elle, non? Puis d'autant plus qu'il faudrait qu'elle s'occupe de la cuisine aussi. On t'a mis en charge des rénovations pour la salle à manger, comme on t'a mis en charge de la musique pour la salle de danse. Delphis puis moi, on va s'occuper de la barmaid. La barmaid cuisinière, ce qui est pas la même chose. Je veux pas n'importe qui, moi. Mais t'auras pas n'importe qui non plus. Si t'as une idée, fais-moi la savoir. Je ferai pareil si je tombe sur la perle de rose. Continue. Dites-moi les dons à qui vous pensez comme barmaid cuisinière. Je vais vérifier mes sources avant, je te mettrai au courant après. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un à vous proposer. Je vois juste Julie pour faire ce travail-là. Je vois pas où c'est qu'elle prendrait le temps. Avec Xavier, poigné comme il est dans son fauteuil roulant. Laisse-moi ça entre les mains, mon petit Bob. T'auras pas à chicaner dessus. Moi, c'est Julie que je veux. Quand je vais finir de donner des ordres ici, tu vas aller la voir, ça sera pas long, on verra bien après. Diriger l'hôtel avec Julie et my, que ça soit au bout. Arrêtez donc de vous promener de même, M. Gagnon, vous m'énervez. En direct, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe, vous êtes épanoui. Ça fait au moins deux heures que Mme Myriam et M. Couture sont inconciliables. Puis? Je trouve que c'est inconciliable qui dure longtemps à mon goût, hein?
Puis ça, c'est jamais bon signe quand ça conciliabule longtemps. De quoi vous avez peur? Bon, j'ai peur de rien. Qu'est-ce que c'est que vous faites comme ça? Vous restez pas en place depuis ce matin. À ce point-là? Oh, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte. Bon. Quoi encore, M. Gagnon? Non, rien. C'est juste que je me demandais si vous aviez pas entendu parler de quelque chose à travers les branches. À quel sujet? Ben, par rapport à Mme Myriam, cette affaire, c'est pas s'en aller du bureau. Myriam a jamais dit qu'elle s'en allait du bureau. Peut-être pas, mais travailler à mi-temps, ça revient pas mal à ça. Pour elle. Faites comme moi, M. Gagnon. Attendez, vous verrez bien. C'est parce que vous pouvez pas comprendre. Ça fait pas assez longtemps que vous travaillez ici. Moi, je fais quasiment partie des meubles. Ah, je comprends maintenant. Ce dont vous avez peur, c'est que Myriam soit remplacée par quelqu'un d'autre, puis que ce quelqu'un d'autre-là soit pas vous. C'est ça? J'ai jamais pensé remplacer Mme Myriam. Loin de moi, cette idée. Très loin de moi. Bon. Mais si ça devait arriver, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mme Stéphanie? Voyons donc, Monsieur Gagnon. Vous seriez aussi bien de retourner travailler à votre bureau. Ça serait mieux. Mais verra bien qui vivra jusque-là, Simoloc. Quand Eric et moi, on a acheté le centre équestre, on ne pouvait pas prévoir que ça représenterait autant de travail. Suivez-vous. Je sais bien que la décision que j'ai prise n'est pas très élégante envers vous. Surtout après toute l'aide que vous nous avez apportée. Mais je vois mal comment je pourrais agir autrement. Non. Cela, je le comprends, Myriam. Je comprends que si vous voulez faire du centre équestre le rêve qui vous habite, vous n'avez pas d'autre choix. Mais il y a quelques semaines, il me semble que nous nous étions mis d'accord sur le fait que vous continueriez à travailler à Médiatexte, à mi-temps. Non, je ne peux pas me passer de vous tout à fait. Mais que deviendrait Médiatexte si vous ne deviez plus y être du tout? Vous ne pouvez pas me faire cela, Myriam. On en parle depuis un bon moment déjà, sans trouver... Je vous l'ai dit que Génio ne pouvait pas prendre votre place. Génio fait un travail admirable lui aussi, mais parce que vous êtes là, Myriam, il faut absolument que vous restiez. Ne serait-ce qu'à mi-temps et aux heures qui vous conviendraient. Laissez-moi un peu de temps encore pour que je puisse trouver quelqu'un qui pourrait vraiment vous remplacer. Est-ce qu'on ne peut pas s'entendre là-dessus? Monsieur Couture, pourquoi on se mentirait? Ça fait déjà pas mal de temps, déjà, que vous savez que je compte partir. À moins que je me trompe, vous n'avez pas cherché très fort encore quelqu'un pour prendre ma place. Je sais. Mais que voulez-vous, Myriam? J'ai beau y penser, je ne vois personne. J'aurais peut-être une suggestion à vous faire. Ah oui? Et laquelle? Pourquoi vous ne demandez pas Albertine? Albertine? Je suis certaine qu'elle saurait me remplacer adéquatement. Pour ma part, si vous embauchiez Albertine, je serais consentante à lui donner tout l'entraînement qu'il lui faudrait. Et le temps nécessaire. D'ici cet été, je doute pas qu'Albertine serait... Mais vous n'y pensez pas vraiment? Pourquoi pas? Me semble en tout cas que vous devriez y réfléchir. Est-ce qu'on pourrait pas reparler de tout ça cet après-midi quand je vais revenir du centre équestre? Oui, moi je sais plus quoi vous dire tellement vous m'avez pris par surprise. Vous avez jusqu'à cet après-midi pour vous en remettre. À tantôt, Monsieur Couture. Albertine, mais quelle étrange idée que cela. Non, Philippe Couture. Ne panique pas. Assieds-toi et regarde tout cela bien calmement. Et après tout, est-ce que ça serait une si vilaine idée que cela? J'imagine que M. Couture va vous donner des nouvelles aussitôt qu'il va en avoir, M. Gagnon. Là, il faut que je parte. Je suis vraiment en retard. Ça dure depuis des semaines, demain. Ça serait temps qu'on sache à quoi s'en tenir. Si ça presse tant que ça, M. Gagnon, allez voir M. Couture. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Allez voir M. Couture, hein? Mais ça, c'est une excellente idée, puis il m'en va le faire traite, là! Ce pauvre M. Gagnon, il se possède plus. Il y a du nouveau. Ça devrait pas tarder, je pense. Tu sauras ça en même temps que tout le monde, Stéphanie. Pas avant. À cet après-midi. C'est ça, à cet après-midi.
Médiatexte, bonjour. Asseyez-vous donc, très cher. Ils seront plus à l'aise pour discuter. Écoutez, M. Couture, c'est pas parce que je veux vous ennuyer avec ça, hein. Mais je pense qu'il commence vraiment à y avoir urgence. Depuis des semaines déjà, là, on est tous une patte puis sur l'autre dans le bureau, puis ça, c'est pas bon pour les affaires, c'est pas bon pour le moral des gens qui travaillent, c'est pas bon pour n'importe quoi. Concurrence est forte. Puis à ce temps-ci de l'année, c'est le moment de signer des contrats pour les mois qui viennent. Oui, je sais tout cela, Eugénio. Non, mais sauf votre espèce, pas toute de le savoir. Faut faire face à la musique avant qu'il soit trop tard. N'exagérons quand même pas très cher. Après tout, Myriam n'est pas encore partie. Non, mais c'est tout comme! Depuis qu'elle a acheté son fameux centre équestre, là, c'est pas nécessaire d'avoir des lunettes épaisses comme des fonds de bouteille pour se rendre compte que Mlle Myriam s'occupe plus vraiment des affaires du bureau. Les papiers s'accumulent. Les retards deviennent catastrophiques. Bref! Les clients commencent à maugréer sérieusement, puis ça, on peut pas se permettre ça. Je suis tout à fait de votre avis. Encore une fois, là, je dis pas ça pour me plaindre. Même si j'étais obligé de mettre les bouchées doubles. En seulement qu'il y a des tas de dossiers que je peux pas régler moi-même parce que j'ai pas les pouvoirs pour. Donnez-moi jusqu'à cet après-midi, très cher. Je vous promets que d'ici la fin de la journée, je pourrai vous faire une réponse. Dans un sens comme dans un autre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez que je compte énormément sur vous et que je vais agir dans les meilleurs intérêts du bureau. Pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Cela ne vous satisfait-il pas? Faites-moi confiance. Faites-moi confiance, très cher, et vous verrez. Merci, M. Couture. Merci mille fois. Je voudrais parler à Albertine, s'il vous plaît. Comment allez-vous, très chère Albertine? Il faut que je vous voie sans faute. Oh, je sais bien que vous travaillez au restaurant, mais après dîner, est-ce qu'il n'y aurait vraiment pas moyen que je passe? Non, ça ne sera pas long. Merci, Albertine. Je vous embrasse. Tendre, tendre. Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas, là? Il ne devrait pas retarder, il a dit après le dîner. Je suis trop nerveux, il faut que je sorte. C'est le plus beau jour de ma vie, le pain. Tu peux pas savoir comme je suis heureux. Je vais avec toi, Miville. Il arrive! Les voix que Miville attendait sont là. Si Miville les attendait, c'est un peu normal qu'ils finissent par arriver. Viens voir ça avec nous autres, père. Et vous, m'intéressez pas. Ben, c'est des limousins, c'est pas n'importe quelle race. Limousins ou n'importe quoi d'autre, les vous m'intéressent pas pareil. Mais je t'empêche pas, par exemple, d'aller leur souhaiter la bienvenue, si t'as le goût de le faire. Juste sa galerie, père. Ni sa galerie d'ailleurs, je reste ici. Pour une fois qu'on a du plaisir. Tant pis, père. Devant ma grange qui vont beugler comme des enragés. Tu parles. J'arrive juste à temps, je pense. Hey, ça t'a pris du temps? J'arrive pourtant à l'heure qu'on s'est entendu dessus, non? On dirait que le grand air t'a fait pas de bien. T'as les traits tirés, je trouve. Hey, laisse faire tes salamalecs, puis ouvre ta borrière, c'est rien que ça qu'on te demande. Tenez celui-là. Celui-là, c'est le plus beau. Attends!
On se revoit un séjour? Ou un de ces soirs, comme tu veux. Ça met de la vie dans le paysage, y a pas à dire. Bon, ben, faut que j'aille voir Julie, là, excuse-moi. T'as pas d'affaires ici, petit bon. Ah, ben, je vais rester devant la porte, c'était mieux ça de même. J'irai pas plus loin. Même de là, t'as pas d'affaires ici, dedans. Oh, non, mais il faut vraiment que je te parle. C'est très important. OK? Fais ça vite. Mais promets-moi d'abord que tu vas tout me laisser dire sans m'interrompre. Écoute, Tibor. Tu sais que depuis que Maggie est partie en Irlande, qu'on cherche une barmaid à l'hôtel, hein? Puis? Ben, en fait, c'est pas juste d'une barmaid qu'on a besoin de. Parce qu'il faudrait que cette barmaid-là, elle sache aussi faire la cuisine. Tu comprends, cet été, on va garder comme pensionnaire une bonne gang d'étudiants de l'Université Western. Nos chambres sont déjà toutes louées. Puis? Ben, j'ai pensé à toi, naturellement. Voir personne d'autre pour faire ce travail-là aussi bien que toi. Qu'est-ce que t'en dis? Pas intéressé. J'ai fait de la cuisine trop longtemps à la maison chez nous pour me retrouver ailleurs devant des chaudrons. Barmaid, d'abord. Tu perds ton temps, tu Bob. Même si je te dis que ça se peut que Junior puis Judith fassent la musique à l'hôtel cet été. Qu'est-ce que tu racontes? Ça a l'air de bien aller pour Junior puis Judith à Montréal, hein? Ils jouent pas seulement dans le métro, là. Ils ont déjà eu des petits engagements par-ci, par-là. Avec le temps, là, ça va être comme une boule de neige, ça sera plus arrêtable. Puis moi, je me dis que ça serait tout à la gloire de l'hôtel si Junior puis Judith, ils faisaient le vrai début chez nous. Je force fort là-dessus, Julie. Puis si tu m'aides, je pense qu'on va y arriver. Hey, imagine ça, Junior avec nous autres cet été. Ça serait pas de la petite bière d'épinette, ça, my, non? Mettons que je vais y penser. Oui, mais pas plus loin que jusqu'à demain, par exemple. C'est important pour moi d'avoir ta réponse rapidement. C'est correct? C'est correct. Je peux t'aider pour les triages, si tu veux, hein? J'ai déjà brossé des oursons en peluche, ça doit être à peu près pareil, hein? T'aimerais pas ça si c'est avec tes talons. On se verra demain. Bon, ben, s'il y a plus de moyen de moyenner, moyennons plus, my. Mais peut-être qu'une petite risette... Oh, t'es achalant, Tibor. Ben oui, je t'achalant, mais qu'est-ce que tu veux? Je t'aime, moi. Le fils a poitrainé. T'as remercié d'être arrivé aussi vite, là. Ce que je comprends surtout pas, c'est pourquoi tu m'as fait venir ici. Pourquoi t'es pas passé à la maison pour une fois que j'étais en congé? Ton mari pis moi, tu sais qu'on s'entend pas trop bien à cause du petit Jean-Marie qui est plus souvent à la maison chez nous que chez vous quand y'a pas d'école. C'est pas tellement ça le problème, tu le sais. Maurice s'est jamais remis de l'accident de machine qu'il y a eu il y a 4 ans. De voir Jean-Marie laisser quasiment à lui-même parce que moi je travaille pis que lui il peut pas, ça le déprime. Je pense pas que pour Maurice, ça aille plus loin que ça. Ben, je suis content de l'entendre. Mais, puisqu'on parle d'ouvrage, comment ça va? Je suis dans juste Turcotte. Ouais, les affaires baissent à ce qui paraît. Ouais. Tu comprends, depuis que tu fais plus de rénovation, le bois reste dans le cours à cette heure. Ouais. Je faisais une farce, Gabriel. Ah. Pour en venir à l'Angers Turcotte, j'ai bien l'impression que je vais être slaqué avant longtemps. Ah. J'aurais peut-être quelque chose pour toi. Ah. Ben, tu sais que Maggie, elle voyage en Irlande, puis qu'à cause de ça, il faut que Delphine puis moi, on trouve quelqu'un pour la remplacer.
Avec ta nouvelle salle à manger, ça prendrait une personne comme toi à la cuisine. Évidemment, il faudrait qu'en te lire pas, tu serves un peu au bord, mais je pense pas que ça soit un gros handicap pour toi. Servir au bord, j'ai jamais fait ça. C'est pas à mon âge qu'on commence ça, voyons. Ça serait juste pour te dépanner quand Thibault n'aurait pas de sa tête. Le reste du temps, t'aurais juste la cuisine à t'occuper. Qu'est-ce que t'en penses? Me semblait que ce serait quelque chose comme ça qui m'attendrait. Que si tu brettes avec un renégat pareil. On recherche une perle rare pour l'hôtel. Ben, tu l'as devant toi, mon Delphis. Toi, Blanche? Ben, t'oublies que Blanche a fait de la cuisine pendant 10 ans à l'hôtel Bellerive avant qu'il pose au feu. Personne se plaignait de pas bien manger là. C'est sûr, mais le bord. Ben, c'est justement ce que je disais à Gabriel quand t'es arrivé, Delphis. Qu'à mon âge, on devient plus barmaid. Ça reste à voir. Avec la chambre que t'as, je suis pas inquiète. Toi, Delphis? Ben, c'est à voir, en effet. Et puis, il faudra en parler à Thibault. Quand on forme un tri, on verra. On forme un tri, on verra. Bien sûr qu'on va parler à Thibault. Mais avant d'aller plus loin, c'est d'abord à toi de faire voir tes couleurs, à ce temps que tu connais une autre. Ben, je peux pas dire ça de même, comme qui dirait de but en blanc, là. Ben, on n'est pas pressé. On va prendre un autre café, puis on va en jaser autant que tu veux. Hé, hey, Carmel! Apporte-nous d'un autre café! J'arrive tout de suite. Mais c'est pas un enterrement. T'avais le droit de sourire. C'est déjà mieux, Blanche. Continue de même, puis on va bien s'entendre. Je pensais pas qu'attendre ça pouvait être aussi long. La jument mettra pas bas avant le mois d'août, Maxime. Ça va te faire encore quelques mois pour attendre. Mais si tu t'en occupes bien, je peux te dire que tu regretteras rien quand le petit poulain viendra au monde. Comment tu le sais? Hein? Je n'ai jamais vu venir au monde. Parce que moi, je lui ai dit comment ça se passait. C'est la chose la plus belle au monde. Ils doivent avoir fini maintenant. On va y aller. Tu viendras nous rejoindre quand tu auras fini de faire prendre l'air à la jument. OK. Je suis fière de toi, Maxime. Moi aussi, je suis fière de toi, Myriam. Il me semble qu'il faudrait que je me pince pour arriver à croire vraiment que tout ça est vrai. Et pourtant, ça l'est. Dans quelques minutes, M. Tourangeau va nous donner les clés de la maison. Et demain, tu pourras y habiter avec Maxime. Ça doit être excitant, non? Ça paraît pas que je le suis. Oui. Oui, mais il y a parfois dans tes yeux comme des petits nuages sombres. Pourquoi, Myriam? Je pense à Maxime et à moi. On n'a jamais vraiment vécu ensemble, tous les deux. Sauf pendant les grandes vacances d'été. Ça m'inquiète un peu. Non, tout va bien aller, j'en suis sûre. Mais toi? Oh, moi, quand les choses vont si bien, qu'elles sont aussi belles que le paysage qui nous entoure, je me sens déjà heureux. Je t'aime bien, Eric. Moi aussi, Myriam. Moi aussi. Depuis le temps que vous nous invitez, je pense qu'on pouvait pas trouver une plus belle journée que celle-là pour venir voir de quoi ça a l'air un ranch. Exagère pas, Junior. Bonjour, Judith. Bonjour, Myriam. Ben quoi, Myriam? Des joues, c'est fait pour être embrassé, non? Regarde voir. Faut que tu y fasses à ce temps. Ah, avec plaisir. Bonjour. Je pense que vous avez du monde qui vous attend à la maison. Éric va vous faire faire le tour du propriétaire. Certainement. Ah, on va s'arranger avec ça, je dis depuis moins. On se rejoint tantôt.
Les chevaux, ça m'a toujours fait un peu peur. Hein? Pourtant, c'est pas des bêtes bien méchantes. Il y a d'autres sortes de monde bien plus dangereux. Hein? Comme qui, par exemple? Je parlais juste de moi. Rayant comme tu sens bon. C'est effrayant, c'est-tu. Toi, t'as jamais rêvé de faire l'amour, de bout de même, devant des grosses bêtes qui te regardent comme si tu venais d'un autre monde. Quand je vivais à la campagne, des fois, c'est tout ce que je trouvais beau. Une grange avec des odeurs de foin. Une belle femme à caresser pendant que toutes sortes de bêtes te tournent autour. J'ai toujours trouvé sexy. T'es fou, Gilbert. Ben non, je suis pas fou. Je suis amoureux, c'est pas pareil. C'est pas ton cas? Je t'aime aussi. Là-dessus, ça doit être... T'es pas sérieux? Ah, tout ce qu'il y a plus sérieux. C'est de ta faute, tu m'as trop excité. Elle sent quelqu'un. Ah, c'est pas grave quand c'est des grosses bêtes qui font l'amour. Je vois pourquoi ce serait différent parce que c'est nous autres. Ouais, gênez-vous pas, hein? C'est pas un motel ici, Junior. Mais vous pouvez me faire ce que vous voulez. Je vais faire semblant de pas regarder. On faisait juste s'agousser, y'a rien là. Ouais, pas besoin de me faire un dessin. J'suis assez grand pour comprendre. Dans ce cas-là, y'a pas de problème. On va finir ce qu'on a commencé. Junior, voyons, arrête! Je faisais une farce. Tu veux qu'on t'aide? Ça aussi, je suis assez grand pour m'en occuper tout seul. Dans ce cas-là, j'ai plus rien à dire. Viens, on va aller à la maison. Et t'as pas objection? Pas en tout, mais 50$ pour le motel. Si madame pouvait être de même un jour. La clé, Eric. Pourquoi j'aurais une clé? On a acheté le centre équestre ensemble. La maison t'appartient autant qu'à moi. Non, Myriam, c'est pas ce qui était convenu entre toi et moi. J'y tiens, Eric. De toute façon, les jours que je serai pas ici, c'est toi qui vas y être. C'est normal que t'aies la clé de la maison, non? Bon. J'avais oublié que M. Tourangeau avait fait tout repeindre. J'aurais pas eu besoin de demander à Junior qu'il nous donne un coup de main. Tu voulais pas faire poser du nouveau papier peint dans les chambres en haut? On aurait été capable de faire tout ça nous-mêmes. Pour y arriver, il nous reste qu'aujourd'hui et demain. Si tu veux déménager dimanche comme prévu, je t'assure qu'on n'aura pas de temps à perdre. Bon, on va pouvoir se mettre au travail maintenant. C'est vrai, j'avais oublié ça. Que vous nous aviez invités jeudi depuis moi, pas seulement pour visiter le ranch, mais pour faire le grand ménage. Mais j'ai beau regarder, je ne vois rien pour le faire, le grand ménage. Pas de mop, pas de guenille, rien. Si c'est juste ça, crains pas. Il y a tout ce qu'il faut dans le garage. Même de la bière? Non, je pense pas qu'on ait pensé à ça. Ah, mais il doit bien y avoir un dépanneur pas loin, là. Moi, pas de bière. Qu'est-ce que vous voulez, le grand ménage, c'est pas mon fort. On revient tout de suite. Moins en moins sûr que c'était une idée d'inviter Junior. Je vais m'en charger. Toi, tu retournes au bureau et tu règles tes affaires. En attendant, je prends tout en charge. Je reviens aussitôt que je peux. Hé. T'oublierais pas un petit quelque chose? Quoi donc? À tantôt. À tantôt. Bon. Le grand ménage maintenant.
Ben, c'est quand même drôle, ça. Que ça soit toi qui ait livré ses veaux à Miville. Avec ce qui s'est passé entre Nathalie Miville et toi, il me semble que moi, à sa place, j'aurais demandé à quelqu'un d'autre. Tu connais pas les Galarneaux comme je les connais. Mais si Miville pensait m'humilier en faisant appel à mes services, puis crains pas, hein, c'est ça qu'il y avait dans le loyer d'hôtel, il s'est trompé. J'en ai profité pour y en pousser quelques petites vites au sujet de Nathalie. La prochaine fois, j'ai l'impression qu'il va y passer par deux fois. Remarque, moi, ça me dérange pas. Toutes les occasions sont bonnes quand il s'agit de Nathalie. Je peux aller revirer chez les Galarneaux n'importe quel quartier, là. Ouais, moi, à ta place, là, je l'oublierai, Nathalie. Je ferais une grande croix là-dessus, là, puis je me trouverais une autre femme. Mon petit doigt me dit que ça grenouille entre Nathalie puis Miville. Oui, non, non. Je les ai vus cet après-midi. Il y avait l'air de deux tourtereaux. On verra bien. Rends-toi en compte. Ton affaire est loin d'être ketchup, Joe. Avec ce qui se passe entre toi puis Julie, t'as pas de leçon à me donner. Ben, Julie puis moi, c'est pas pareil. Elle est pas mariée pis elle a pas de chum. C'est une histoire bien différente de la tienne puis de Nathalie. Qu'est-ce qui se passe, donc? On cherchait une cuisinière pour l'hôtel. Ben, on l'a trouvé, mon petit Bob, puis dépareillé à part de ça. C'est pas comme ça qu'on est supposé fonctionner. Les décisions, on les prend tous les trois ensemble, pas autrement. Mais c'est du bon ce qu'on fait là. On a rencontré Blanche, elle sera d'accord, venir travailler à l'hôtel. Comme cuisinière, bien entendu, hein? Pas comme barmaid. Ah, pas comme barmaid! Ah, mais dans ce cas-là, c'est pas pareil! Ça veut dire quoi, ça? Ah, ben rien de plus que je pense que Julie, elle serait consentante d'être la barmaid les fins de semaine puis quand il y aurait des gros rushs. Ça m'étonne, ça. Par rapport à Xavier, ça m'étonne pas mal. Tu vendrais pas à peau de l'ours avant de l'avoir tué, mon petit Bob? Attendez à demain, là, vous verrez bien. Mais en attendant, je vais vous montrer la nouvelle salle à manger. Il manque pas grand-chose pour que ça soit à mon goût là-dedans. Ah! Ah, mais non, vous venez pas avec nous autres? Ah, j'ai mes chevaux de labour à aller voir. Si je veux les préparer comme il faut pour le grand concours régional, c'est le temps que je m'en occupe. On se le verra demain, tout le monde. C'est ça, à demain, Delphine. Bon, ben, qu'est-ce qu'on attend pour y aller dans la salle à manger? Ah, ben, venez, venez, venez. Je t'envie, Myriam. J'aimerais ça, moi aussi, travailler à mi-temps puis vivre à la campagne. Carignan, c'est pas tout à fait ce que j'appelle la campagne. C'est même pas une heure d'ici. C'est pas grave, l'espace est pas le même. Ça marche toujours pour demain? Moi, j'aimerais mieux dimanche. Tel que je te connais, si j'attends jusqu'à dimanche, il restera plus rien à faire dans la maison. Bon, d'accord pour demain. M'arrive pas avant midi, par exemple. C'est hâte. Je suis tellement contente pour toi, Myriam. Ça doit être comme un rêve, non? Non, mais qu'est-ce qu'il fait, donc? Qu'est-ce qu'il qui attend pour me donner des nouvelles? Faut croire que c'est pas encore le moment, Eugénio. Mais en attendant, je pourrais peut-être vous filer les dossiers dont vous allez devoir vous charger maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je peux pas faire autrement, on va les prendre. Mais qu'est-ce que c'est qu'il fait, donc? Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez l'air tout songeur, très chère Albertine. Pourquoi donc? J'ai peur d'avoir pas pris la bonne décision. Quand je pense à mes cours à l'université, je me demande... Oh, nous avons parlé de cela tout l'après-midi. Je pense bien que vos cours à l'université ne représentent plus aucun problème. Soyez tout à fait rassurée là-dessus. Comme sur le reste, d'ailleurs. J'aurais aimé en parler à Stéphanie avant. Ça m'étonnerait que Stéphanie soit pas d'accord. J'aurais quand même mieux aimé y en parler. Faites-vous confiance, très cher Albertine. Tout va très bien se passer. Je peux maintenant? Va bien falloir, hein? Celui-là, c'est le plus urgent, Génio. Faudrait le voir en priorité. Bien sûr. Bien sûr. Ah, c'est pas trop tôt, M. Couture. Je sais que je vous ai tous fait attendre bien longtemps, mais vous pouvez venir maintenant. Venez, très cher. Venez. M.
Madame Albertine, je savais pas que vous étiez ici. Je vous ai pas vu rentrer. Vous étiez sortie faire une course quand je suis arrivée. Ah, je me disais aussi. Bonjour, ma. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'avais pensé vous réunir tous quelque part en ville pour fêter comme il convient ce grand moment. Mais si j'ai préféré cette petite célébration intime, c'est qu'il m'a paru qu'elle convenait mieux dans les circonstances. Après tout, Myriam ne nous quitte pas vraiment. De sorte que ce ne sera pas pour aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, les tristes adieux. Myriam va travailler avec nous quelques jours par semaine. Ce qui va lui donner suffisamment de temps pour organiser comme il convient la nouvelle vie qu'elle commence. Et que nous lui souhaitons tous la plus heureuse possible. Merci. Bonne chance, Myriam. Très chère Myriam, je porte ce toast à tous les moments de beauté que nous avons vécus ensemble dans la chaleur de l'amitié. Ah. À Myriam. À Myriam. À Myriam. À Myriam. À ta nouvelle vie. Merci. Très chère Albertine, je porte aussi ce toast, puisque maintenant, vous avez accepté de remplacer Myriam. Je comprends pas, là. Madame Albertine remplace Myriam. Mais oui, très chère. Dès lundi matin. Mais ça, je le prends pas. Je le prends pas, pas tout, Simonac! Je m'en occupe. Excusez-moi une minute. Je le savais. Je suis vraiment contente pour toi, maman. On ne sera pas longtemps, le pain. Le temps d'aller chez le médecin puis d'en revenir. J'espère bien qu'on va avoir une bonne nouvelle à t'annoncer quand on va rentrer. Ça serait mieux. Pourquoi tu dis ça? Ben, le temps passe, puis je suis pas dessein de regarder ton oreiller et les corneilles jusqu'au jour où va être centenaire. J'ai l'intention de m'en aller bien avant ça. Ben, voyons donc, père. Vous êtes en tort, vu le docteur. Qu'est-ce que vous attendez pour partir? Un enfant le même jour. J'aimerais autant pas vivre ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah oui, lâche! Lâche! Voyez que pour qu'on voit ce qui va se passer. Dans une minute, entrez dans la vie de Macha, Eric et Valérie. Je pourrais être une télé-réalité, moi, tout seul. C'est le plus grand rôle de ma vie. Je m'enligne pour une humiliation, là, majeure. Tout sur moi, tout de suite après l'héritage. Puis à 19h30, êtes-vous une Sylvie? Guy, j'ai-tu les poches entre tes yeux? Ou êtes-vous un Guy? Oui. Maudit que t'es bête. Retrouvez le couple le plus indémodable de la télé. Quoi? Ce soir, 19h30, sur Arte TV.